Bon. Ok, bon, c'est Grifox, on est en platine, Udyr Jungle. Je suis en duo avec un abonné mais qui a coupé son micro parce que le son est atroce. Donc c'est ok. Allez, c'est parti. On est avec Malphite, Yasuo, Twitch, Janna contre vous, Glycine, Galio, Draven et Blitz. Pour moi, le plus gros problème, c'est Blitzcrank. Le reste, je le détruis sans trop de problème, je pense. On va voir ce qu'on peut faire dans ces conditions. On va start bleu comme d'hab. Allez, on essaie de pas se donner un kill, s'il vous plaît. Tranquille, on va mettre une petite ward. On va y aller très très safe. Ok, bon, c'est possible que j'ai plus de raid. Non, non, c'est bon, ils insistent pas trop. Ça me va. Très bien. Bon, allez. Bon, team dominante AD en face quand même. Peut-être que je vais prendre des tabis là-dessus. On verra les perfs du Galio s'il est bien dans sa game. Bon. Sinon, RAS. Ouais, je pense que Tabi, ça va un peu s'imposer. Même si ça doit s'appeler coq en acier maintenant, je crois, mais bon. Qui c'est qui est un énervé du ping là? C'est Malphite. Ok. Merci de pas me spam mon écran d'infos inutiles. Yasuo qui a l'air de jouer assez agressif au mid. Hop, ok, la botlane se fend un peu push. On va voir si on peut aller les aider assez vite. C'est deux petits clear comme d'hab. Tac. Ok, on est plutôt bien pour l'instant. Si le Lee Sin vient me chercher à mon raid, normalement je le fracasse. On va quand même essayer de bien smite et on va venir bot juste après. Okay, je suis un peu late sur mon clear en vrai. Ils ont pris de la vision là. Je me serais attendu un peu plus de follow-up. Ah oui, d'accord. Ça fait beaucoup quand même là. Si on a les yeux, mais. Putain, pourquoi il est venu avec le Galio quoi? Il est sûr de son fight lui? Moi je suis pas sûr du tout. Hein. C'est de la merde en fait, jamais de la vie fight, ils sont 4. Je m'attendais pas à ce que le Galio décale autant le Lee Sin, ça se gère, mais le Galio en plus, bon, le Yasuo qui survit. Voilà, impossible que je rentre dans la mêlée, hein, c'est pas possible. Par contre, je peux peut-être, en vrai, là maintenant, je suis niveau 4. Y'a plus de flash. Ok, on récup. Y'a un Galio, du coup, dans la jungle. Enfin, dans la rivière. Je pense que j'ai bien fait de pas overreact, de prendre le temps de faire le carap. Ça, à mon avis, c'était assez important. En plus, je lui tombe dessus. Hein. Ouais. Ce serait bien que je puisse aller faire le carap, mais j'ai peur d'être un peu short en temps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré un smite. Ça m'a été à 450. C'est possible que le Lee Sin arrive. Ok, je l'ai eu. Drake 8 secondes, bah écoutez, ça se passe étonnamment bien, c'était assez chaotique. Quand j'ai vu le Galio arriver en tant que Lee Sin, là je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde. Et on est good.
Ok, j'aurais pu reset instant. Je prends les loups pour pouvoir prendre une pink en plus de mon premier bac. Ok, ça devrait le faire. Je devrais être à peu près à l'aise pour faire le drag, je pense. Ok, il y a de la vision ici. Je vais le rush. Hein. Je pense que Lee Sin est parti topside en vrai. C'est pas sûr à 100%, mais. Et il engage le drag lui carrément. Après, bon, il y a SS. J'ai bon, mon smite dans 14 secondes, ça devrait être ok. On va aller chercher un peu le Lee Sin. Ok, il n'y a personne. En vrai, je peux venir bot. Non, ça sert à rien. Ok, bon, on va check la mid lane et on va rush notre bleu. Ensuite, on fera peut-être une petite session de clear. Oh, cela dit, je peux peut-être aller chercher. Là, je peux passer sans être vu. S'il n'y avait pas de ward dans le bush, je peux aller chercher le raid en face. Je pense que je suis relativement strong et je peux me le permettre. On va le pull. Non, dommage, il est mort au top. Je pourrais presque attendre le Lee Sin par là. Bon, je sais pas où il est. Oh, ça c'est fait, il doit pas être loin. Je vais quand même aller chercher mon bleu parce que là je manque trop de mana et si je fight, je risque de perdre le fight à cause du manque de mana. Alors c'est possible que Lee Sin ait fait mon bleu en vrai. Quelqu'un, on s'est croisé en fait, c'est très bien. Bon, c'est un peu chiant, mais ça va, c'est pas dramatique non plus. Je préfère le raid à choisir, puis surtout ça m'a permis de poser ma pink. Et la pink là-bas, elle est assez stratégique, elle est quand même relativement utile. En général, ça c'est le genre de pink qui reste toute la game. Ok, donc là, il y a moyen que j'aille fight au Karam bot avec le Lee Sin. Je vais avoir du mal à le choper malheureusement. Galio a son R, me dit Yasuo, ok. Je pense pas pouvoir me permettre d'aller chercher le Karap malheureusement. Je vais devoir le laisser celui-là. Par contre il y a le bleu du Lee Sin, là je suis quand même un peu en manque de mana. Ok, j'arrive. Chercher. Normalement là je vais tomber tout pile dessus. Ok, bon c'est bon, je lui ai volé, c'est ok. Je vais venir vers le mid, là je vais me prendre le Galio normalement. Ça me va. Ok. Ça fight au bot, mais c'est rien d'ingérable. Faut qu'il fasse gaffe, il y a quand même un Lee Sin qui est pas loin normalement. Bon bah du coup j'ai gagné au petit jeu de qui vole les buffs de qui, normalement j'en ai eu un de plus que lui. Parce qu'on s'est volé mutuellement et je lui ai volé son bleu et je récupère mon raid. Maintenant va falloir que je fasse gaffe au Herald. Je vais faire un clear bot, je vais voir si je fais un gang bot et je vais rush Herald je pense. Ah oui d'accord, on est carrément sur ce genre de relou quoi. Bon. Y'a pas de sus, j'ai un flash. D'accord, donc en fait je me suis fracassé. Bah c'est terrible, j'aurais pu all-in et peut-être faire un kill. Putain, je meurs comme ça, c'est le pire fight. J'ai hésité à flash in le blitz mais j'avais le mauvais timing. Encore une fois, il y a le galop qui vient. J'ai été très mauvais, j'aurais pu faire au moins un double kill sans aucun souci.
J'ai vraiment pas du tout posé mes dégâts et finalement, quand j'ai flash, j'avais aucune chance d'en faire quoi que ce soit. C'était abominable. En vrai, je pense que je vais devoir peut-être rush l'établi direct. Ouais, non, je vais prendre ça, je vais rush le Herald. J'ai été terrible sur ce fight, j'avais moyen de faire beaucoup de choses, j'ai juste perdu un flash. Dramatique. C'est dramatique. Jusque là, j'avais fait une game très clean, j'étais en train d'assurer une domination sur le Lee Sin. Là, ça se retourne complètement. Lee Sin qui me met un level, alors ça, je sais pas d'où ça sort par contre. Bon, ça je prends, Lee Sin va venir. Je m'attends à ce qu'on se fight, il doit être par là. C'est terrible ce qui vient de se passer vraiment là. Je sais pas où il est. Peut-être au Herald en vrai. Hein. Après là il y a un Drake. Il est pas au Herald, bon bah, je vais faire le Herald. Je pense qu'il a reset du coup, je me serais vraiment attendu à le croiser là, je suis un peu surpris. Faut que je fasse gaffe parce qu'un Draven qui prend des kills c'est vraiment pas bon quoi. Ok ça c'est good. On va claquer ça au mid. Et on va rush le Drake ensuite. Là, je vais pas l'attraper, c'est ma vie ça. Ok, on est tout seul. Allez, sur le lit, hein. Putain, il manquait une auto. Je vais encore crever avec un PV, c'est ça? Non, c'est bon. Ah, il manquait une auto, je tuais le lycine. Et j'ai pas pu la placer. Il récup en face. C'est pas bon ça, hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est toujours un moins dans les fights en fait, c'est assez terrible. Voilà, dès que je veux faire un truc, évidemment ils ont l'avantage numérique. C'est assez dramatique. Ils vont avoir le Drake du coup. Il me manquait encore une auto pour tuer le Lee Sin, décidément c'est assez terrible. Essayer de venir sur la gêne là-dessus à fond. Ouais, on est trop late. Hein. Le blitz à lui tout seul me met dans une sauce énorme. Ça rend les fights beaucoup plus compliqués que ça devrait l'être pour moi. Bon, je vais rusher à le top. Dommage, si l'auto passait, il prenait le stun. Quand je dis Herald, je veux dire Kerap, pardon. Possible que je croise quelqu'un, mais... Allez-y, je suis chaud. Il y a moyen qu'on le catch. Mapping toujours en place, hein, comme prévu. Putain, vraiment. Il me fait un peu peur les yeux, là. On va se barrer je pense. Oh quoique je peux peut-être fight là. Mais mon red smite est pas passé, je l'avais mis dès le début du fight, je suis complètement bluffé par les dégâts qu'il m'a mis là. Profondeur divin. Oh, je pensais jamais crever. Décidément, je fais une game pas très propre. Je voulais pas spécialement prendre ce fight en plus, c'est assez terrible. Oh, je m'attendais pas à me faire détruire comme ça. Ah, par contre, il est level 11, je suis tellement late. À force de qu'on se court après partout, là, à chaque fois que ça se passe mal. Pourquoi je suis level 8? Bon, je vais essayer de venir bot. Il faut absolument que je come back, il va falloir que je fasse une session d'AFK farm parce que là, je suis en train d'être vraiment très très late. Ok, ça fait du bien. Je vais clear ma jungle, hein. Je vais un peu AFK farm parce que là c'est pas possible. Je
devrais être à 150 de farm à ce timing, il me manque 60 pour être correct. Ça, ça va pas du tout. Bon, Yasuo qui va récupérer son farm. Ouais, je sais pas, il y a que des fights bizarres du coup. En termes de macro, là je suis en train d'être complètement perdu. Il faut absolument que je come back. Parce que là, contre la compo qu'ils ont, si je suis pas en avance, je peux rien leur faire quoi. Draven 2-1, ouais, c'est terrible. C'est terrible. D'accord, il y a carrément une pink à mon bleu, on en est là. Hein. Bon, là, moi la mine est toujours en place. Lee Sin qui joue Eclipse. Tra, le Vukong pour Fondeur Divin. Ah, moi j'ai rien compris aux dégâts qu'il avait mis tout à l'heure, hein. ça m'est tombé dessus. On va quand même essayer de faire un truc. Ok, on va au moins prendre la vision. Je crois qu'il va... Ah, le Valve va se faire kill. D'accord, donc je tapais le double. Les persos qui se mettent invis, ça me sort par les yeux, c'est vraiment un truc terrible. J'ai quand même pas Red Smile le double. Y'a pas un truc comme quoi ça révélait les adversaires, ça? Vous marquiez le champion ennemi. Ah, y'a plus le machin... Avant, ça révélait le smite, mais... Ouais, je connais pas assez, en plus il a été rework Wukong et je connais pas assez son fonctionnement depuis qu'il a été rework. Ça c'est terrible parce que du coup effectivement je l'ai tué mais c'était le double en fait. Sinon après j'étais... Bon, est-ce que je survive Galio? Je pense pas. Mais ça aurait été un peu moins désastreux, là j'ai encore une mort de merde. C'est compliqué. Falloir jouer les Drake. Ok, je vais essayer de venir en flanque là, il y a moyen de faire un truc je pense. Le Yasuo est pas trop mauvais en vrai, c'est cool. Ok, le Lee Sin est out pause. J'arrive. Oh oui, attendez, je vais récupérer le Wukong là. Alors, par contre, je suis vu. Ok, il est là en fait, il a pas besoin de moi. Pourquoi à chaque fois que je veux faire un truc, c'est pas là. C'est quand même assez terrible. Ok, j'arrive. Il faut que je mette tout sur le Draven. Enfin, je dis ça, mais en fait, je suis tout seul, non? Ah non, je suis pas tout seul. Vas-y, prends mon kill, toi, régale-toi. Il le tue, on est d'accord. Ok, ça, c'est GG. Bien, moi, je la team. Je rush le Drake. Faut qu'ils aillent prendre une tour en vrai. Le Drake, je suis le solo, y'a aucun problème. Bon, ils ont pas voulu. Je pense qu'ils auraient pu aller gratter une tourelle. Bon, j'ai bien comeback en vrai. Je joue agressif à fond là. Je grid un peu, mais tranquille. N'inquiétez pas, je suis un grider professionnel. Je sais ce que ça fait. Ça va bien se passer. J'aimerais bien retester un 1v1 contre le Wukong, ne serait-ce que pour voir comment ça se passe. Ok, le Lee Sin a pris une grosse sauce. J'ai pas eu le temps de caler l'auto sur le Lee Sin, c'est dommage, ça aurait fait le kill. Ok, il récup. En vrai, l'échelle de la team, c'est pas trop mal mon move, j'ai créé des opportunités, j'ai mis des dégâts. Le Lee Sin, je l'ai fracassé du coup. C'est pas mal. J'accepte le trade. Ils ont claqué beaucoup là. Bon, j'étais en 1-3, je repasse en 4-4, c'est déjà un peu mieux. J'ai récupéré mon retard d'XP. Je suis niveau 11. Maintenant, on va essayer de prendre de l'avance en XP. On va passer au... Il déconne encore le micro ou pas? Ça va à peu près. Allô? Allô? Oui, non, là ça va, c'est correct. J'entends. Moi je t'entends en tout cas, mais apparemment si tu m'entends pas, bon, c'est un peu technique. Ouais, c'est bon, il déconne encore le micro ou pas? Non, c'est mieux là. Ok. Bon, je vais essayer d'aller l'intercepter par là. Ils vont pas être tout seuls malheureusement. T'as pas d'infos ici là. Le raid est open. Il est mort normalement, hop.
Voilà, je récupère le kill plus le carap. Dans 8, on peut tuer l'autre, mais faudrait on que. On peut y aller par là. Hein. Attends, attends-moi quand même. Là, il y a Draven Blitz. Ah, par contre, ils ont tellement de dégâts. Je vais juste faire kick out par le. Lee Sin, il prend un combo, il est mort, hein, mais. Le problème, c'est le Blitz, il met tellement de pression en vrai. Juste que nos carries viennent. Mais j'ai l'impression que Twitch il joue pas, bah, on a une botlane en 1-9, hein, c'est assez terrible. C'est pour ça en fait que j'ai l'impression qu'il y a jamais personne. On peut tenter un truc là. T'es chaud? Ouais. C'est bon. Go go go. On peut s'arracher, mais par contre du coup j'ai pas le combo de. Ok, ça fait bien. Belle ulti, ça GG. Faut s'arracher, faut s'arracher. Ah, y'a un blitz de PV, c'est pas de chance. On a plus de CD, on a plus de CD. Moi j'ai tout encore, j'ai mon flash, enfin j'ai lâché le smite, mais. Y'a moyen que Twitch tue ça, s'il te plaît? Mais Twitch il met pas d'auto, mec, c'est assez terrible. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Draven, go! Non, 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 non. Ok, pas go alors. Fais gaffe, parce qu'il y a le R de l'autre là, il l'a pas utilisé. Ok. J'attendais juste qu'il combo sur nous. Ça marche. Moi je vais go reset. Ouais, je sais pas, notre botlane mec, autant la Janna elle joue, elle essaie de faire des trucs, mais par contre le Twitch, je l'ai pas vu lâcher un ulti, une auto en fait, littéralement, je l'ai pas vu. Mais c'est ça que, parce que genre je pense qu'on prenait une Ipsy Yasuo et bah ouais, mais ça fait plusieurs fois qu'on y a moyen de au moins de prendre la tour mid, mais. Le prochain. C'est pas grave, c'est pas grave, au moins ils sont pas en int, ils est... on a... la Janna essaie de mettre des trucs, c'est gagnant. Moi je veux devenir un monstre, c'est bon. J'étais en retard toute la game, là je suis en train de prendre de l'avance en XP, ça fait du bien. J'ai eu une early assez difficile. Moi je suis un joueur de carry, là j'ai pris Malphite, mais ça se passe plutôt bien, mais je me suis fait solo kill comme un chien. Ouais, mais après tu mets des boss ulti donc c'est cool. Ouais, si mais... tu... Si tu... Genre ton ulti sur Lee Sin était perfect là. Si on continue à faire ce genre de catch, on va les retourner. De toute façon, faut qu'on joue les fights, hein. Faut qu'on joue les teamfights, eux, faut qu'ils jouent le split et nous on doit jouer les teamfights. Bah moi j'ai eu dire, hein, je suis quand même plus un perso de split que teamfight. Gonash, mais... Gonash, Gonash. Faut forcer Nash. Je check juste s'il y a quelqu'un. Le Nash, bon, je suis pas 59. Hyper chaud. Hein. En vrai, moi je le sens bien. Je suis ton call, mais j'y crois pas trop. Mais attends, non, mais là en fait, l'objectif c'est dès que je vois Draven, je lui tente sur la gueule. Hein. Ok, vas-y, go cancel, go cancel. Ouais, ouais d'accord. Okay. On a pas le Twitch. Oh, en vrai. C'est un en peu vrai, comme split quoi. Je le sens bien. Moi je R. Je faut vais que R Lee Sin. Je l'ai. Voilà. Oh, le beau smite que j'ai mis, magnifique. Je vais R le smite donc. Ouais, c'était bien, mais. Mec, j'ai un peu chaté. J'ai un peu fait nom sur le smite, mais ça se passe bien. Mais ouais, du coup, ça va mis bien. Là. Bah, R, je me slow. Ouais, il me rend fou lui. Et Gwen. Il me rend fou le vu qu'on. Bon, heureusement, j'ai pris l'armure. J'y vais. Hein. Ah, il manque rien. Vas-y, go, go, go. C'est bon, ça passe, ça passe. Oui, nice. Nickel. Y a le wave qui est un peu bon. On peut aller par le top en vrai. Vas-y, si mais... tu tank. Attends, je vais prendre le Drake en vrai. On va reset, il repop dans 2 secondes, mec, on va pas pouvoir. Vas-y. Je vais faire un clear jungle into Drake. Je leur laisse rien. Non, je me suis fait dans mon stuff. De toute façon, en soi, genre, il m'a kick in donc. Enfin, il m'a Q in. J'ai juste à green sur lui et on a un free. Ouais, non, c'était bien, c'était bien. Le call Nash était un peu ballsy, mais ça me va. J'ai lâché mon meilleur smite une fois de plus là. Thanks for carry, I guess. Oh, double item mec au back, ça fait plaisir. Bon, j'ai fait un comeback de l'espace, gros. J'étais en 1-3, je suis en 8-4. Voilà, je mets 2 levels à Lee Sin. Ah là, ça c'est une game normale, ça. J'aimais pas trop être à la traîne. And win. Là, si on fait pas de la merde, on devrait être relativement. Là, tu vois, genre là, ah oh, putain, j'ai tellement envie d'y aller. Attends, moi je split top, hein, je split top. Chaud, mon pote Yasuo, là. En vrai, mec, faudrait pas split là. Bah, parce que si tu split. J'ai un stuff full split en fait, c'est pas de chance. Mais vas-y, tu peux faire des catch, gros. T'as tout le monde avec toi. Moi, je fais ma vie au top lane, gros. T'inquiète. Vas-y, bah, prends les tours. Allez-y, faudrait limite qu'on fasse du 1-3-1. Hein. Faudrait qu'il y ait le Twitch bot en fait. Non, pas avec notre. Parce que, genre, ils ont Galio, il a juste à turn sur le 1 et genre. Du coup, du 1v2 et on perd le... Bon, ça commence à faire beaucoup sur moi là. Hein. Ok, vas-y. Bah, du coup, nous on y va. Hop là, je les rate. Oh, ça fait du bien de le 1v1 le Vucon qui m'a saoulé.
Voilà, enfin il commence à jouer le Twitch. C'est pas ça le truc hein. Hop. Il se régène là-dessus. Tac, et il est mort. C'est bon, gagné. GG. Pas été, il a pas été facile en mid game, early game celle-là, mais. Mais de toute façon, notre compo c'est ça, hein. Early on perd et après on gagne la game. On a une compo teamfight, ils ont une compo. Ouais, enfin bon, ils ont un Draven quand même, hein. Un Draven qui a eu un bon start. Nous on avait pas trop de botlane au début, là je sais pas, ils sont mis à jouer. Ouais, mais en soi, c'est qu'il y a qu'un mec qui est bien, genre notre compo. Oui, notre j'entends. Compo fait que genre. On a juste à le focus lui. Ouais, je termine, hein, ils m'ont saoulé là. Non, les persos invisibles, ça me saoule. Voilà, GG. Ouais, c'était pas évident. Ça va. Hein. Ah, mais gros, t'as pas vu ce que je me suis pris moi. À chaque fois que j'allais quelque part, ils étaient 4 gros. Pas c'était pas un instant de cette win pour le coup. Le Yasuo a été bon, ça fait plaisir. Bon, je m'en sors avec un S-moins quand même. Deuxième. Ouais, il y avait un peu Yasuo et moi en termes de gold. Après, toi, t'as fait des bons catchs. Puis la botlane, vraiment, bon, ils ont joué pendant une minute à la fin, quoi. Sinon, ils ont rien fait de la game. Ah, après, moi, je suis un tank. Ils hein, sont en sais. 3-10 quand même. Ouais. Il y aura les dégâts. Oh, le Yasuo, c'est pas souvent que je vois des Yasuo faire autant de trucs. Ça rigole. Bon, bah écoute, GG, vas-y, je cote la vidéo ici pour YouTube. Du coup, on pourra se refaire de la petite duo à l'occasion. Je tape la main. Salut!